Ce genre de musique peut continuer indéfiniment. J'enchaîne? Ok, ben, je ne savais pas que j'étais en direct. Merci beaucoup, Philippe. Bonne année à tout le monde. Ben, comme je l'ai souhaité un peu collectivement à quelques autres, je vous sors mon inéquation préférée au moment des vœux, c'est de vous souhaiter une année au moins meilleure que toutes celles qui l'ont précédée. Voilà. Je crois que vous risquez pas grand-chose, pour autant que les vœux sont performatifs avec ce genre de souhait. Et d'une manière plus restreinte, je souhaite que nous continuions à voguer encore longtemps ensemble. Oui, alors nous inaugurons là quand même un nouveau cycle. Alors, j'en profite hein, pour dire légitimement, mais comment, mais la mémoire, on n'avait pas fini. Enfin, il y a des trucs qui étaient annoncés, qui ne sont pas conclus. Bon, ou alors c'est du Pénélope, ton histoire. Tu commences un sujet, tu ne le finis jamais, tu passes à un autre, vous voyez. Ceux qui sont un peu plus attentifs depuis, je dis depuis le début, il y en a qui ont pris le train en marche, et tant mieux, hein, je veux dire, je suis ravi d'avoir de nouveaux visages et de nouvelles oreilles, mais plus on remonte, c'est très important ce que je dis pour le cycle qui va commencer, dans le passé de nos diffusions, ça couvre à peu près les 7 dernières années de nos publications régulières. Moins il est difficile de constater que tous les sujets se tiennent. Je veux dire par là que le sujet sur la mémoire, je le continue en traitant de notre nouveau thème qui est que j'ai essayé de rassembler dans cette question qui paraît peut-être un peu bizarre formulée comme ça. Comment des sciences de l'histoire peuvent-elles être réelles? Je précise dans mon petit texte d'introduction, je vais peut-être le lire pour ceux qui le découvrent tout de même, parce que, quitte à en commenter quelques parties. Mais comme ça annonce quand même le programme de. Alors, je n'ai pas encore décidé si ça va nous occuper un trimestre ou un semestre. J'ai comme l'impression que ce sera plutôt de l'ordre du semestre, vu l'importance et la richesse et l'extension de la matière concernée. Hein. Puisqu'il s'agit de faire un va-et-vient permanent entre les sciences dures et les sciences humaines, ça fait quand même du boulot pour chacun. Donc, j'en dis ceci. Le cycle de recherche philosophique qui s'ouvre en ce début de l'an 2021 par cette question, je la répète, comment des sciences de l'histoire peuvent-elles être réelles? Je dis entre parenthèses, première chose, les sciences de l'histoire désignant ici à titre générique l'ensemble des sciences humaines. Hein, que ce soit bien clair. J'aurais pu dire comment des sciences humaines peuvent-elles être réelles? D'accord. Mais enfin, comme il y a une polémique entre, n'est-ce pas, dans les instituts spécialisés, de la Sorbonne à l'EHESS, en passant par l'école normale, enfin, je veux dire, pour savoir s'il faut dire sciences humaines ou sciences sociales, c'est le genre de polémique qui suscite pas mal de papotage. Et à mon avis, bon, c'est jamais du temps perdu, ça exerce les ménages philosophiques après tout, et conceptuels. Mais enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà contourner l'essentiel de l'enjeu quand on s'attarde sur ce genre de problématique. C'est plutôt une question de se compter, n'est-ce pas? Ceux qui parlent de sciences sociales sont ravis de se donner une petite coloration vaguement rose. Voilà, et ceux qui parlent de sciences humaines préfèrent se draper dans une espèce d'inaxiologie, j'invente un barbarisme, n'est-ce pas? De neutralité axiologique, comme on dit dans les mêmes milieux. Voilà. Bon, bref. Donc, on est quand même, on devrait être revenu de tout ça depuis le temps que nous nous entretenons ensemble. Voilà, donc je dis les sciences de l'histoire, d'une part, c'est une décision hein, que j'assume, hein, je veux dire, c'est un engagement, voilà ce que je veux dire, c'est une prise de position.
c'est pas par prudence que j'ai dit sciences de l'histoire, c'est parce que je reste persuadé que aucune des sciences humaines et ou sciences sociales qu'on trouve dans telle unité, dans telle université ou faculté ici ou là, n'a de sens en dehors de l'histoire. J'entends ici l'histoire dans un sens extensif, c'est-à-dire que je vais au-delà de l'écriture, donc j'aurais pu dire aussi l'anthropologie, vous voyez, comme si on... mais ça veut dire science de l'homme, alors on est dans la magie verbale. Hein. Sauf que là, on parle grec, ça fait plus sérieux. N'est-ce pas? J'aurais pu dire comment l'anthropologie peut-elle être réelle? N'est-ce pas? Comment une science de l'anthropologie, mais là encore, ça veut dire deux fois science, puisque logie, c'est la science de l'anthropos. Vous voyez, allez, j'ai l'air de plaisanter, mais on va beaucoup parler de ces difficultés qui résultent de nos manières de parler, qui sont bien différentes. Et selon qu'on aligne des équations ou que l'on déploie une parole, ça va être une opposition qui va être un de nos repères fondamentaux pour ne pas se perdre tout au long de ce nouveau cycle. Alors, je reviens un petit peu en arrière sur le titre, donc j'interromps ma lecture. Comment des sciences de l'histoire peuvent-elles être réelles? Bon, les initiés, enfin tous ceux qui ont fait quelques études philosophiques avec un minimum de sérieux savent que je fais ici une allusion à Kant. Car la question que pose Kant tout au long de son œuvre la plus théorique, la plus consacrée à la connaissance, et non pas à la morale ou à l'art, aux valeurs, n'est-ce pas? Bref, à son œuvre qui s'occupe du vrai et du faux, et non pas du bien et du mal, voilà pour la morale, ou du beau et du laid, voilà pour l'esthétique, pour aller très vite. Donc, dans son plus gros volume, la fameuse critique de la raison pure, qui joue un rôle considérable dans l'histoire de la pensée jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, et surtout dans la pensée théorique, il suspend, n'est-ce pas, pratiquement toute la question théorique, toutes les tentatives de répondre à la question que puis-je savoir, par une question que moi je résume ainsi, pour ne pas être trop technique, comment des sciences de la nature sont-elles possibles? Donc, vous voyez, je fais un petit jeu avec cette citation de Kant. Comment Newton est-il possible à l'époque de Kant? Voilà le grand problème théorique de Kant. Non pas réel. Moi, je dis comment des sciences de l'histoire peuvent être réelles. Mais lui, il dit possible parce que la réalité de la physique scientifique est déjà un fait acquis à l'époque de Kant. Ça a commencé avec Galilée et à son époque, ça culmine à Newton avant d'être encore enrichi et non pas réfuté. On y reviendra. Au XXe siècle, avec la théorie de la relativité d'Einstein et un peu plus tard, la théorie des quantas, de Planck, d'Heisenberg, etc. Donc, Kant n'avait pas à se poser le problème de comment. Est-ce que les sciences de la nature peuvent-elles être réelles? Elles sont réelles à son époque. Et lui, il pose très intelligemment comme philosophe, il ne se contente pas de dire, tiens, ça marche, Newton. Il y a une réalité de l'appropriation des lois de la nature par le cerveau humain. Non, il se dit, comment est-ce possible? Vous me direz, ben, on s'en fiche après tout, hein. Si c'est réel, c'est déjà pas mal. Ah, oui, non, mais tout l'intérêt philosophique de l'affaire, c'est justement de passer du réel au possible. Allez, j'arrête de jongler ceux qui ont fait quelques études d'histoire de la logique ou de l'épistémologie savent très bien que je suis en train de jongler avec ce qu'on appelle en logique les postulats de la modalité. Pour être très simple, à propos d'un problème assez complexe, puisqu'il s'agit simplement de savoir comment peut-on, avec quel degré de certitude, peut-on anticiper le futur. Pas la modalité, c'est le passage de la logique qui étudie les énoncés qui se rapportent au futur. Est-ce que Macron sera réélu président? Voilà, c'est une question qui se rapporte au futur, n'est-ce pas? Alors, on peut faire remarquer tout de suite que c'est possible.
que ce n'est pas encore réel. Ça, il faudra attendre le jour de l'élection pour savoir si c'est réel. Si on passe du possible au réel, vous commencez à comprendre ces distinctions. Pas. Et le troisième terme, que je n'ai pas encore nommé, c'est nécessaire. Voilà la progression dans les sciences du futur, dans les discours sur le futur. Le minimum qu'on peut énoncer à propos du futur, le minimum, ça ne donne pas grand-chose comme connaissance, mais s'il n'y a pas ce minimum, ce n'est même pas la peine d'essayer de parler de scientificité, n'est-ce pas ? C'est que la chose soit possible. La chose dont on parle au futur soit simplement possible. C'est-à-dire, et là je reviens à la logique, un énoncé est possible, se rapporte à une réalité possible quand il n'enferme pas de contradiction. Ainsi, un rapport au sens arithmétique, c'est-à-dire une fraction, comme vous voulez, un logos, on disait chez les Grecs, pas au pluriel, des logoi, oui, les fractions, ça se dit logoi aussi. D'où algorithme, vous voyez, soit en passant, ou logarithme, qui viennent du même radical. Donc, une fraction représente un nombre impossible si son dénominateur est nul. Donc, si les calculs qui essayent de prévoir, je dis n'importe quoi, une éclipse ou bien la date d'arrivée d'un satellite à l'endroit où on veut l'envoyer, je veux dire, si les équations aboutissent à des termes où il y a un zéro dénominateur, c'est qu'on s'est planté quelque part. Et puis, de toute façon, on n'est plus dans le réel. Voilà, donc, il faut au moins que ce soit possible. Mais voyez, ça ne nous renseigne pas, ça n'a pas augmenté notre certitude. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il va être élu ou pas. Alors moi, je vous dis, ce n'est pas impossible, parce qu'il n'y a pas de contradiction, n'est-ce pas, entre la notion de Macron et la notion d'être élu. Voilà, il n'y a pas de contradiction. Hein, vous êtes des contre-indications, mais il n'y a pas de contradiction, si vous préférez. Une fois que l'expérience ici et maintenant, n'est-ce pas, nous le confirme, on est passé du possible au réel. On a fait un grand progrès, n'est-ce pas, dans la connaissance, c'est plus seulement dans le discours ou dans les têtes. Et puis, là, la connaissance atteint son maximum lorsque mon énoncé peut être considéré comme nécessaire. Vous voyez, Galilée, et ça, vous le verrez illustré dans les admirables études galiléennes d'Alexandre Coiréen, un des grands moments de l'école épistémologique française, Coiré insiste à juste titre avec tous les passages où Galilée dit « je ne me contente pas du fait expérimental ». Il est indispensable, sinon ce n'est pas sérieux, mais d'autant qu'il a inventé la lunette de Galilée quand même. Donc, tout n'est pas équation chez lui, mais il dit « mais tant que je n'ai pas la raison mathématique de ce qui se passe, je veux dire, je n'ai pas fini mon travail hein, ». Je le résume d'une manière un peu simple. Voilà. Donc c'est ça qui est profondément scientifique et physique chez Galilée, c'est qu'il veut savoir en quoi c'est nécessaire que ce soit ainsi. Autrement dit, c'est pas par hasard que la Lune tourne autour de la Terre, il suffit pas de le constater, et il faudra atteindre la gravitation universelle de Newton pour comprendre que c'est non seulement possible et non seulement réel, mais que c'est nécessaire vu la distance qui les sépare et les masses en présence. Pour aller vite. Voilà. Donc, je reviens après cette précision sur mon titre, comment des sciences d'histoire peuvent être réelles. J'ai inversé Kant. Là, non, on ne peut pas dire que les sciences humaines existent comme la physique, comme la biologie, avec le même degré de rigueur, de certitude, d'accord, d'unanimité et de consensus. Enfin, consensus, il y a toujours eu. C'est pas, les grands moments de la science sont des ruptures de consensus. Hein. Galilée, on ne peut pas dire qu'il a commencé dans l'histoire de la pensée scientifique par un consensus, mais plutôt par une condamnation, n'est-ce pas ? Descartes prudemment décide, n'est-ce pas, de prendre comme devise « j'avance masqué ». N'oubliez jamais que le discours de la méthode paraît en 1637, c'est-à-dire juste un an après la condamnation de Galilée. Descartes n'est pas tout à fait idiot. Et c'est qu'il est guetté à chaque instant, n'est-ce pas ? Je fais allusion ici
bien sûr, à l'inquisition ecclésiastique. Je ne parle pas de l'inquisition au sens propre, mais enfin, à ce qui en tenait lieu à ce moment-là. Et il va jusqu'à dire dans le discours de la méthode, de sorte que je propose cet écrit comme une fable. Chacun y trouvera ce qu'il voudra, admettons que ce soit une fable. Et il est prudent. Hein, bon. Et sa devise, c'était l'armatus prodeo, n'est-ce pas? J'avance masqué. Attention, c'est un mousquetaire. Donc voilà, pour y revenir, les sciences humaines ne sont pas, n'ont pas le degré le corpus qui rassemble, n'est-ce pas, la communauté scientifique, comme c'est le cas dans les sciences dures. Et là, j'illustre une phrase d'Aristote qui m'est arrivée de citer, mais c'est bien le moment de la rappeler, de ne pas l'oublier pendant le cycle qui commence, car elle résume peut-être, elle résout pas notre question, mais elle résume parfaitement la manière de la poser. La mathématique unit les hommes, la politique les divise. Parce que cette question de le rapport entre la rigueur scientifique et la tentative d'établir l'équivalent en philosophie est aussi vieille que les systèmes philosophiques qui nous sont parvenus tout au long de l'histoire de la pensée. Mais on aura le temps de voir ça dans le détail. Aujourd'hui, je déroule une programmatique, si vous voulez, des problèmes qui vont nous occuper. Donc, je reprends et cette fois, je continue. Le cycle de recherche philosophique qui s'ouvre en ce début de l'an 2021 par cette question, comment des sciences et l'histoire peuvent être réelles, peut paraître à première vue trop vaste, voire trop ambitieux, jusqu'à faire douter du sérieux de l'entreprise. Hein? Corrélé à nos insuffisances personnelles, ce n'est pas de la fausse modestie, je veux dire, je ne prétends pas maîtriser, je ne suis pas un écologiste. Un écologiste, lui, c'est une science de tout. Je les admire, hein? C'est fantastique. Ils sont en même temps glaciologues, climatologues, sociologues, moralistes, je veux dire, c'est extraordinaire. Géologues, astronomes, astrophysiciens, c'est fantastique, c'est pas. Alors qu'une seule sous-spécialité de ces disciplines demande une vie d'effort et de recherche, il y en a qui, pof, sont spécialistes de tout, c'est-à-dire de pas grand-chose, hein, pour être sérieux. Ben oui, environnement. Là, ici, il y a de l'humain, il y a de l'historique, de l'artificiel, du naturel, du matériel. Vous vous rendez compte, s'il fallait être spécialiste de chacune des choses qui sont dans cette petite pièce de 18 mètres carrés, ce serait déjà pas mal. En particulier la science des chats. Chat reste un mystère. Allez, soyons sérieux. Ça paraît ambitieux, énorme. Et je voudrais introduire au problème que ce serait le cas, et je n'aurais pas entamé ce sujet si c'était un point de départ. On est au pied d'une montagne qui semble tellement haute que c'est décourage d'y grimper, si vous voulez, pour voir une image que nous retrouverons ici. Mais je voudrais montrer, après j'enchaîne pour ne pas trop anticiper, qu'il ne faut pas oublier que c'est un point d'arrivée, je reviens à ce que je disais au début, et ça va être l'occasion de faire des révisions, ce cycle. C'est très curieux, ce cycle, c'est-à-dire, parce que nous sommes un peu comme des membres de l'équipage de Christophe Colomb, nous aventurant sur une mer que personne n'a frayé, parce que les sciences humaines restent à construire dans leur scientificité rigoureuse. D'accord? Vu comme ça, c'est plus que prétentieux, c'est presque mégalomaniaque. Mais en même temps, pour y arriver, ce n'est pas le moment d'oublier ce qu'on a vu depuis le début que nous entretenons. Il faut cumuler certains résultats. Et comme... Et il y en a qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre en cours de route, je disais allusion tout à l'heure, ce sera l'occasion de faire des révisions. Alors il y en a qui vont dire, ah non, on ne va pas recommencer à dire que le philosophe, il a mis chemin entre le poète et le mathématicien. Si. Parce que chaque fois que j'interviens, j'ai l'impression que je ne vais pas avoir le temps. Donc j'essaie de dire l'essentiel, d'aller vite à l'essentiel. Là maintenant, il faudra creuser et prendre son temps. C'est ça l'intérêt de la révision. C'est pas revenir à zéro et refaire le même chemin en regardant bien comme les Dupont dans le désert, dans au pays de l'or noir, Tintin, n'est-ce pas, qui
qui essaient de suivre les traces de leur propre voiture sans s'apercevoir qu'ils sont en train de tourner en rond dans le désert. Voilà. Donc, c'est ce que je vais développer maintenant. Corrélé à nos insuffisances personnelles ou à la modestie des moyens logistiques auxquels nous confions ces efforts de transmission, je parle des moyens matériels. Quant aux moyens humains, je m'en félicite. Et je ne serai jamais assez reconnaissant de ceux qui s'occupent de cette logistique et grâce auxquels nous pouvons communiquer, vous et moi, n'est-ce pas ? Cette crainte devrait même paraître plus que fondée, pour autant qu'elle tomberait dans l'illusion de croire que nous invitons ici à un nouveau départ ex nihilo. Vous voyez ce que je disais à l'instant. Ce début d'année doit aussi bien être perçu comme un point d'arrivée. Non point, certes, le sommet du massif que nous nous efforçons de gravir ensemble depuis cette année, mais le col, vous voyez, je garde des métaphores alpinistes, allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'avec le confinement, les jambes me démangent, n'est-ce pas, que le crapahuté me manque, mais voilà. Mais le col, hein, un col, c'est vraiment intermédiaire entre la base et le sommet, n'est-ce pas. Le col à partir duquel la visée jamais perdue de ce sommet, on a l'impression que je fais toujours des détours et qu'on est perdu, la visée jamais perdue de ce sommet permet enfin de ne plus le croire inaccessible dans l'essentiel de son enjeu. Et son enjeu, je le résume maintenant, n'est-ce pas ? Élever la connaissance de nous-mêmes. Attention, on n'est plus dans les sciences dures, là. Ça, c'est ce qui était inscrit à l'entrée du temple de Delphes et dont Socrate et Platon faisaient leur devise. C'est « connais-toi toi-même ». Ça ne veut pas dire ne perds pas du temps à connaître les mouvements de l'électron. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, loin de là. Non. On ne va pas répéter une fois à quel point Platon accordait un immense intérêt, par exemple, aux mathématiques ou à l'astronomie, mais, ou à l'acoustique, la suite de Pythagore. Mais ce n'est pas l'objet propre de la philosophie. La philosophie, c'est quand le projecteur se retourne sur lui-même, ce qui se symbolise en mathématiques, par la petite boucle, vous voyez, la flèche qui retourne sur elle-même, comme ça, et qui illustre la relation qu'on appelle la réflexivité dans le langage ensembliste, n'est-ce pas ? Par exemple, A égale A. Donc, l'enjeu, c'est ça, élever la connaissance de nous-mêmes, donc la philosophie, à un niveau de rigueur logique comparable à celui des sciences dites dures. Alors attention, sans tomber dans deux pièges, c'est moi qui rajoute ça en voix off, et les voici, sans jamais se réduire, comme trop souvent tout au long du parcours philosophique, à une application fonctionnelle de celle-ci, eh bien ça y est, quoi, on a mathématisé la philosophie, et donc on n'a plus besoin d'une spécificité philosophique, c'est une partie des maths, hein, en gros quoi. Je vais y revenir tout de suite. Et encore moins, alors le piège inverse, n'est-ce pas, à la dérisoire prétention d'y contrevenir, de contrevenir à la rigueur des sciences dites dures. Parce qu'il y a des philosophes qui prétendent que les sciences dites dures se trompent, ils n'y connaissent rien. Je cite souvent l'exemple de Bergson, non pas pour dire qu'il ne connaît rien, Bergson est un très grand penseur et qu'on a trop vite fait de dans certains milieux progressistes de renvoyer sous prétexte de philosophe réactionnaire comme ça, de le ringardiser pour parler d'une manière savante. Mais il a des choses admirables sur le temps et la durée et la mémoire en particulier, mais il a perdu beaucoup de temps, et ça c'est vrai, à réfuter des sciences qui étaient bien dépassées de son temps au moment où il en parle, vous voyez. Il ne faut pas que le philosophe s'expose au même ridicule, quelque part. Surtout quand on voit le degré d'avancement où sont les sciences dures aujourd'hui. Donc, je répète, hein, élever la connaissance de soi, de nous-mêmes, quoi, à un niveau de rigueur logique comparable à celui des sciences dites dures, voilà le programme, sans jamais se réduire, comme trop souvent tout au long du parcours philosophique, soit à une application fonctionnelle de celle-ci, soit, encore moins, à la dérisoire prétention d'y contrevenir, et de dire, les philosophes ont des choses profondes que les sciences n'aborderont jamais, on ne va pas manger de ce pain-là. Il faut bien revenir à ce dialogue, n'est-ce pas, du philosophe et du savant.
Donc, dès nos toutes et ici, je commence à faire allusion au passé de nos entretiens depuis 7 ans. Dès nos toutes premières causeries, nous n'avons cessé de positionner le mode d'expression proprement philosophique, je dis bien, pas la philosophie, le mode d'expression, je suis en train de parler. Donc c'est du langage, le mode d'expression philosophique, c'est pas de la musique. Pas en train de jouer du pipeau. Ou alors au sens figuré peut-être, n'est-ce pas ? C'est du langage, et en plus c'est du langage courant. C'est pas un langage incompréhensible pour le profane, à commencer par moi, des ouvrages de physique, de chimie ou de mathématiques hautement spécialisés, ou de chimie organique, peu importe. Bon. Donc, des chaînes d'équations, si vous préférez, pour parler plus simplement. Donc, nous avons cessé de positionner le mode d'expression proprement philosophique, qui est donc le même que celui de l'opinion, et celui de la poésie aussi, celui du langage, sous la double et de la parole, sous la double contradictoire, je répète la phrase. Dès nos toutes premières causeries, nous avons cessé de positionner le philosophe, maintenant pour aller vite, sous la double virgule contradictoire et dialectique inspiration du mathématicien et du poète. On ne peut pas faire apparemment plus opposé. Alors vous voyez la tâche du philosophe, un peu écartelée entre ces deux extrêmes, qui voudrait tenir dans le même effort, n'est-ce pas, la rigueur du mathématicien et les révélations sur soi contenues dans la poésie en général, c'est un terme qu'on peut généraliser à l'esthétique dans son ensemble et pas seulement à la littérature, on peut faire pour la peinture et la musique, mais on a vu ça, on y reviendra, à la manière dont, lorsque nous trouvons quelque chose de beau, c'est que nous découvrons que nous avons des désirs en nous que nous ne connaissons pas, nous avons fait un petit progrès sur le connais-toi toi-même. Voilà, nous ne manquerons pas d'occasion dans ce cycle-là d'y revenir. C'est la grande découverte du testament de Kant, la critique de la faculté de juger, n'est-ce pas ? Et en particulier les passages où il parle du jugement réfléchi. Donc maintenant que nous sommes parvenus au col stratégique de notre course, saisissons ensemble l'occasion inespérée octroyée par cette fonction de palier, hein, quand on arrive à un col, tous ceux qui ont grimpé, vous savez, ils soufflent hein, quand on arrive à un col, c'est un peu moins pentu pendant la montée. Alors profitons que le col est un palier, n'est-ce pas, pour mesurer un peu le chemin parcouru, reconnaître d'une perspective en retrait, vous savez, quand on est en haut, en montagne, je filme ma métaphore, excusez-moi, on voit loin, reconnaître d'une perspective en retrait la cohérente résultante de l'ensemble, parce que quand on est dedans, quand on a le nez dans les crêtes, etc., on a l'air perdu, et c'est quand on prend du recul qu'on s'aperçoit que finalement, il y avait bien un chemin continu dans tout ça. La cohérente résultante de l'ensemble par-delà de nombreux changements apparents je suis paumé dans mon propre texte, changement apparent de direction, bien sûr. Alors, voilà le programme. Comme vous vous doutez bien qu'il y aura beaucoup de passages abstraits, pour pallier, cette fois pallier c'est le verbe, hein, c'est plus faire un pallier, pour pallier cette difficulté, cette trop grande abstraction, je passe à exactement l'inverse de l'abstrait, l'ici et le maintenant concret, c'est-à-dire que je vais essayer d'illustrer la réalité, pas seulement la possibilité, mais qu'il y a bien une rigueur comparable à celle des mathématiques. Je dis bien, j'assume, hein, je veux dire, à l'œuvre dans les expressions du sujet, comme les sciences dures dégagent une rigueur dans leur appréhension des objets, on en révise des choses. Hein. Sur la demande pressante, entre autres de Philippe, que je remercie, mais aussi on a fait une petite consultation et beaucoup d'entre vous ont dit on aimerait bien qu'au lieu de nous donner quelques morceaux d'urine par allusion pointilliste comme ça, pour illustrer le sujet que tu traites, que comme l'histoire a l'air palpitante et qu'elle a l'air d'avoir un intérêt philosophique manifeste, et bien ma foi, de dérouler l'histoire complète du ring. Eh bien, je vais me servir de l'exemple du ring de Wagner. Je rappelle,
je m'excuse auprès de, de ceux qui nous lisent sur Facebook. Je remercie Thomas d'avoir publié l'annonce et le texte que je suis en train de vous lire. Mais j'avais mis une note après le mot « ring » et bien sûr, je l'ai tout envoyé sauf la note que j'avais rédigée à cet effet. Ben, la note, ça consiste à dire que le « ring », c'est une manière de résumer le gros œuvre de Wagner, sans doute une des plus longues jamais élaborées par un artiste, gigantesque, puisqu'elle dure 4 jours. Et dans le titre exact est « L'anneau du Nibelung, drame lyrique, l'anneau du Nibelung », ou encore « La tétralogie », mais le titre de Wagner, lui, est plus rigoureux, ce n'est pas une tétralogie, c'est-à-dire ce n'est pas 4 drames, c'est une trilogie précédée d'un prologue. Voilà pourquoi, pour résumer, on l'appelle la tétralogie, parce que 3 plus 1, ça fait 4, hein. Je vous rappelle l'ensemble dans l'ordre chronologique, du tout début jusqu'à au cataclysme final. Le tout début, c'est l'or du Rhin. Ensuite, il y a la Valkyrie, puis Siegfried, puis le crépuscule des dieux. À part l'or du Rhin, tout ça dure en moyenne entre 4 et 5 heures quand même, hein, à chaque fois. Voilà. Je rappelle le passage ici, que c'est une habitude héritée des Grecs, hein, qui représentait comme ça la trilogie de l'Orestie, des Atènes. Et c'était tellement long qu'il y en avait qui venaient dormir sur les gradins dans le théâtre et qui apportaient à manger. Voilà, pour l'anecdote, je rappelle ce genre de choses, n'est-ce pas ? Donc, nous espérons, donc, avec. En souscrivant à la demande réitérée de nos plus fidèles abonnés de dérouler la logique du cycle wagnérien du Ring, je dis bien sa logique, nous espérons ainsi expérimenter la pertinence comme l'invalidité, allez savoir, des conquêtes logiques opérées depuis les débuts de notre commune Odyssée. Donc ce sera une occasion de révision, tout ça. Voilà. Et n'oublions pas la chute, il me reste à formuler le vœu que l'année nouvelle, pour chacune et chacun d'entre nous, parvienne à être au moins meilleure, comme je vous l'ai dit initialement, que toutes celles qui l'ont précédée. Voilà. Alors, je vous disais que ça ne date pas d'aujourd'hui, mon projet apparemment. Je veux dire que dès le premier système philosophique écrit qui nous soit parvenu, je pense à Platon, il y a bien sûr sa formule célébrissime inscrite à l'entrée de son école « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Et j'insiste pour vous dire à chaque fois « Attention, ça ne veut pas dire qu'on va faire de la géométrie chez Platon. Ça veut dire qu'il faut avoir fait de la géométrie pour avoir le droit d'y rentrer. N'est-ce pas ? Voilà, il faut s'être exercé à contempler des images sur le papier, j'allais dire au tableau, sur le papier, sur le sable, hein, quand on discute, pourquoi pas, de choses qui n'existent pas, qui sont des productions de l'esprit humain, comme le cercle. Car dans la réalité, naturelle ou artificielle, naturelle ou humaine, on peut trouver des ronds, des choses rondes, bien sûr. Vous en jetez un caillou dans l'eau, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce ne sont pas des cercles. Les cercles, ce n'est pas une chose, c'est un énoncé. Pour le connaître, vous reportez-vous à des manuels de mathématiques. Parce que moi, je peux vous donner une définition, mais un peu des mathématiques un peu vieillies maintenant. De géométrie euclidienne, où le cercle, le lieu, des points équidistants d'un même point, appelé centre dans un même plan. Voilà, on a déjà dit que tous les rayons d'un cercle sont égaux, quand on dit ça, avec équidistants. Voilà. Mais c'est un énoncé, le cercle, c'est un logos, c'est un discours. C'est Platon, vous voyez. Donc, Platon attache beaucoup d'importance aux mathématiques parce que c'est un exercice pour contempler ce qu'il appelle, lui, l'intelligible. Le noétos, c'est-à-dire ce qu'on peut concevoir sans jamais le voir. Et encore moins le toucher, aller toucher un cercle mathématique, enfin quand même, ça n'a même pas d'épaisseur, comment voulez-vous toucher ça ? Même un atome, et des atomes, il y en a 10 milliards dans la millième partie de la patte d'un moustique, n'est-ce pas ?
Même un atome, je veux dire, il a une certaine épaisseur, même son électron. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas, la ligne à droite non plus. Voilà. Et de même, l'égalité, qui joue un rôle si important en mathématiques, Leibniz, qui est un des plus grands mathématiciens de tous les temps, en promenant ses auditeurs dans un parc, disait « Trouvez-moi dans tout le parc deux feuilles égales, deux feuilles identiques. » On a beau dire, il lui ressemble comme un œuf ressemble à un œuf, quand on regarde de près, un œuf n'est jamais tout à fait identique à un autre œuf. Et admettons même qu'il y ait deux œufs, comme ça je les mets à côté les uns des autres, qui ont exactement la même longueur, le même diamètre, la même couleur, le même poids, ils seraient encore différents. Les logiciens, sans doute, ceux qui sont un peu exercés, parce qu'il y en a un qui est à gauche, l'autre qui est à droite, ils ne sont pas dans le même lieu. L'identique, c'est l'identique. Vous voyez ? Voilà, c'est pour vous montrer que Platon attachait beaucoup d'importance à cette discipline qui nous entraîne à voir des choses qui n'existent pas. Mais, lui, il veut appliquer cette faculté de concevoir, et non pas seulement de voir, mais appliquer à la connaissance de nous-mêmes. Alors, je vous disais, ne croyez pas qu'on est passé d'un sujet à un autre, on a jeté à la poubelle l'anamnèse, l'amnésie, la mémoire, etc., et je vous donne un exemple que ce n'est pas le cas. On a parlé de Deep, vous savez, vous rappelez, non, à la fin de notre cours sur la mémoire. J'ai même lu quelques passages de Deep à Colonne, qui est un petit peu moins, un peu moins lu, un peu moins connu que le Deep Roi, n'est-ce pas ? Cette terrible tragédie de Deep à Colonne qui a une fin plus apaisante, n'est-ce pas, que l'horreur de la conclusion de l'Oedipe roi, horreur telle qu'il s'en arrache les yeux, le pauvre Oedipe, n'est-ce pas? Le roi Oedipe a un œil en trop, peut-être, comme dit Laline dans un très beau poème. Donc, pourquoi je parle d'Oedipe? Parce que on a compris à travers son exemple que, enfin, il n'a pas intérêt à développer l'anamnèse jusqu'au bout. On comprend pourquoi, bien que il soit le meneur d'enquête, le détective en quête de savoir quel est le meurtrier, qui a tué Laios, le roi de Thèbes, le roi de Thèbes, n'est-ce pas ? Il ne sait pas que c'est lui. Donc il mène l'enquête avec un zèle presque exagéré, n'est-ce pas ? Il pourrait se contenter de faire des sacrifices, etc., et de dire à chacun d'être un peu plus vertueux, de moins guincher, de moins... Voilà, d'être un peu plus confiné aujourd'hui. Et non, il en rajoute en disant que tous ceux qui ne donnent pas le maximum des renseignements qu'ils peuvent pour faire avancer cette enquête seront punis par la loi. Bon, bref, il en rajoute. Mais en même temps, il attend toujours que le meurtrier soit à l'extérieur. Donc son anamnèse ne peut jamais arriver. Je vous rappelle, c'est une occasion de rappeler, la différence entre la connaissance de soi et la connaissance des satellites de Saturne, ou, je parlais tout à l'heure, je parle de la magnitude d'une étoile ou des mouvements d'un électron autour de son noyau, du noyau de l'atome, pardon. La différence, c'est qu'il y a une contradiction existante, pas une contradiction logique, une contradiction ontologique. C'est-à-dire que le sujet s'oppose à lui-même. La Lune ne s'oppose pas à elle-même. C'est l'inertie, le monde de la nature. Le monde de la matière naturelle, c'est l'inertie. La matière humaine comporte des oppositions. Oedipe donne l'impression de tout faire pour accomplir une anamnèse, de retrouver le criminel, mais en fait, inconsciemment, il se garde bien d'aller jusqu'au bout. Et on en a vu d'autres exemples, et on en verra d'autres, parce que c'est un peu notre tâche, cette fois-ci, de regarder un peu de plus près l'étrange manège du sujet. Donc vous voyez que lorsque nous avions fait un autre cycle, la logique du sujet, le même problème s'était posé. Autrement dit, ne dites pas qu'on passe d'un sujet à l'autre, moi j'ai plutôt l'impression que je vous bassine depuis 7 ans avec le même sujet. Voilà. Je suis un peu obstiné ou monomaniaque, comme vous voulez.
Il y a une petite allusion à cette monomanie dans un texte que je ne saurais trop vous recommander en cette période où certains sont en plein découragement politique, n'est-ce pas? C'est de lire le Gorgias de Platon. La traduction que vous voudrez. On le trouve en poche dans tous les formats, même dans les petits classiques, pas cher. Le Gorgias de Platon, qui est sans doute le plus politique, comme intensité dramatique, je parle, hein, de ces dialogues. Il n'est pas aussi exhaustif que la République, que les lois, mais alors, il est d'une intensité dramatique, en particulier le temps fort où il discute avec ce petit nasillon de Caliglès, n'est-ce pas? Et je rappelle ici que, pour ceux qui ne le savent pas, que tous les personnages qui sont dans ce dialogue, comme la plupart du temps chez Platon, ont existé, sont bien réels. Gorgias est un des plus célèbres des sophistes de l'époque, ses disciples, Polos, etc., dont il est question dans le dialogue, ont existé. Le seul personnage entièrement forgé par Platon, c'est Caliclès, c'est-à-dire celui qui s'oppose le plus violemment à Socrate. Autrement dit, les autres ne sont pas allés assez loin pour contredire Socrate. Très bel exemple de dialectique. Au point que lorsque Caliclès a fini son apostrophe de 4 pages contre Socrate, une violence, comme un genre de violence dont un jeune loup dans la cité a le secret, un jeune maître, n'est-ce pas? Puisque Caliclès finit par dire, si tu n'étais pas si vieux, Socrate, tu mériterais les verges. Un baston. Et à ce moment-là, il n'y a plus de dialogue, attention. Eh bien, lorsqu'il a fini, non seulement Socrate ne tremble pas, mais lui répond, enfin, j'ai l'interlocuteur qu'il me fallait. Caliclès, tu es pour moi comme ces pierres dont on se sert pour voir si c'est bien de l'or et non pas du cuivre qu'on m'a vendu. Parce que si j'ai raison avec toi, j'aurai raison contre tout le monde. Vous voyez? Eh bien, c'est le personnage qui l'a inventé. Tellement que les autres avaient peur de dire la vérité. Ils ont cédé à ce que certains traducteurs appellent, sous la bouche de Socrate, le respect humain. Ils n'osaient pas aller au bout de leur pensée. Donc, ainsi on va se dire libéral aujourd'hui, c'est pas parce que c'est bien, il y a le mot liberté dedans, c'est bien. Et sans avouer que c'est la feuille de vigne qui cache l'obscénité du capital et l'extorsion dans les pires conditions de la plus-value sur la planète. Je rappelle que le plus grand goulag de tous les temps, c'est quand même des enfants de 7 ans, des fois moins, travaillant près de 10 heures par jour dans des usines et près de fours sidérurgiques. Comme nous parlerons pas mal de science cette année, en particulier de quelqu'un qui a un prestige usurpé dans la philosophie des sciences, je prends Karl Popper. Je dis usurpé parce qu'il est obnubilé tellement et obsédé par son anti-marxisme et son rôle dans la guerre froide, ce qui n'est pas tout à fait, c'est pas le recul que demande un philosophe, d'immense respect pour des non-marxistes comme, je ne sais pas, moi, Carnap, Wittgenstein, des gens comme ça, bien sûr. Alors, le Popper en question, lui, qui a décidé qu'il y avait deux sortes de sociétés, les sociétés fermées, les sociétés ouvertes, bien sûr, les États-Unis, le monde occidental, c'est les sociétés ouvertes, n'est-ce pas? 3 millions de morts au Vietnam, 3 millions de morts en Corée, bagatelle, n'est-ce pas? Le carnage qui continue avec tous ceux que nous armons dans le Sahel ou en Syrie, en Irak, et qu'on a armé en Libye, et c'est pas fini. Et je ne parle que des crimes de sang ici, je ne parle pas de la criminalité sociale, n'est-ce pas, qui se cache derrière l'urgence sanitaire qui existe par ailleurs et qui est fort mal gérée, comme on s'en aperçoit avec le retard de la vaccination. Mais arrêtons là. Il y a belle lurette que les philosophes, seulement, ont entamé un dialogue avec la science. J'ai donné l'exemple de. Bien sûr, illustre de Platon. Aristote, c'est plutôt lui, la confrontation avec les sciences, on appellerait ça les sciences nat aujourd'hui, hein, avec la biologie. Hein, il se méfie un peu de l'abstraction des mathématiques. Hein, quand il dit les mathématiciens, les dialecticiens, on sait qu'il parle des platoniciens. Voilà. C'est bien connu, c'est même populaire, mais je préfère le dire pour ceux qui ne sont pas au courant.
le fameux tableau, n'est-ce pas, de Raphaël qui représente l'Académie de Platon, hein, Platon en train de parler avec ses disciples sur les marches d'escalier, debout, assis, les uns ouvrant un livre, etc. Bien sûr, les deux personnages centraux, c'est Platon et son élève qui restait 30 ans chez lui, Aristote, qui descend les marches et qu'on voit comme ça au centre du tableau, sauf que Platon a l'index vers le ciel, Aristote a la main qui montre la terre. Vous voyez, voilà, ça montre bien la différence entre les idéalités mathématiques, pour reprendre un titre du XXe siècle, de mon compatriote Jean Toussaint de Santy, philosophe des sciences, et le côté pragmatique et plus empirique d'Aristote. Restons en terre à terre et regardons, étudions le déplacement du galéo ou chien de mer. Non, il a fait des études intéressantes sur les animaux marins. Voilà. Même si son œuvre fournit de contre-vérités scientifiques, il n'empêche qu'il y a un effort d'intelligibilité fabuleux pour l'époque. Et je finis ma petite parenthèse, lorsque vous savez qu'il était précepteur d'Alexandre, le plus grand penseur de son temps, avec le plus grand conquérant de son temps, et un des plus grands de tous les temps. Voilà. Quelle collaboration! Et ben, il donnait mission à Alexandre, très, 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 très respectueusement, si vous pouvez me faire ramener par vos hommes des échantillons, là, vous allez là-bas vers les Indes, l'Afghanistan, enfin, c'est pas l'Afghanistan, mais c'est la Bactriane. Voilà, ramenez-moi des animaux, des plantes que nous ne connaissons pas ici. Oui, voilà, sciences naturelles. Donc, je continue, je fais rapidement un survol de l'histoire de la pensée pour vous montrer que cette confrontation du philosophique et du scientifique n'a jamais cessé. Comment ne pas penser à Descartes? Descartes, qui, dans le discours de la méthode, fait cet extraordinaire résumé de sa autobiographique des années qu'il a consacrées à ses études et qui l'ont profondément frustré par qui se trouve, comme je le cite, l'esprit rempli de plus de doutes encore qu'au début de ses recherches, n'est-ce pas ? Mais il accepte je vais très vite, hein, il accepte de disciplines qu'il a travaillées dans ses études, théologie, littérature, voilà, rhétorique. Il accepte les mathématiques et il dit, alors là je le cite, « Je me plaisais surtout aux mathématiques à cause de la certitude et de l'évidence de leur raison. » On pourrait s'arrêter là et dire c'est bien un abstrait Descartes, ce qui s'y intéresse c'est la certitude et l'évidence. Hein, évidence, il y a vidéo, vous savez, il y a un côté contemplatif. Regardez le contresens si on continue la phrase. « Mais je ne remarquais pas encore leur vrai usage. » Et pensant qu'elle ne devait servir qu'aux armes mécaniques et pour ainsi dire à faciliter le travail des hommes. Je m'étonnais de ce que leur fondement étant si solide, on n'ait rien construit par-dessus de plus relevé, et ainsi de suite. Oui, en plus, c'est... Bon, Spinoza, c'est proverbial de dire que l'éthique, son ouvrage le plus décisif, et un des ouvrages les plus étincelants de l'histoire de la pensée écrite, se déroule, comme on dit, mori geometrico, selon les lois de la géométrie. Enfin, avec carrément même des propositions empruntées aux mathématiciens, ce qu'il fallait démontrer à la fin d'une démonstration. N'est-ce pas ? Et c'est à ça que je faisais allusion qu'en disant les philosophes ont trop souvent, n'est-ce pas ? Ont trop souvent. Se sont souvent contentés de faire phagocyter la philosophie par une science. Et bien sûr, par celle qui est la plus scientifique de toutes, par la mathématique. Voilà. En oubliant la spécificité de la philosophie. Et si dans mes premières causeries, j'y reviens, j'ai tellement insisté sur le fait que, attention, je ne vais pas vous parler, défendre Spinoza contre Descartes, ou Descartes contre Spinoza, ou Leibniz contre les deux, ou Kant contre Leibniz, ou Hegel contre Kant et Marx contre Hegel. Non, je ne suis pas dans la baston. L'essentiel de mon propos, c'est de montrer ce qu'ils ont de commun en tant que philosophes dignes de ce nom. Tous. Hegel a une très belle image quand il dit que les différents systèmes philosophiques sont comme les étapes d'une plante. On ne peut pas en sauter une seule, de la graine au bouton, du bouton à la fleur, de la fleur au fruit, il y a une progression, une métaphore. Hein.
comme c'est le peu de cas qu'elle faisait de la nature philosophie, c'est à la limite, mais enfin, l'image dit bien ce qu'elle veut dire. Il dit surtout que ces moments ne sont pas seulement mutuellement incompatibles. Il ne peut pas y avoir en même temps, là, au même endroit, la fleur et le fruit, le bouton, la graine. Bon, ça demande des étapes temporelles. Ça demande que le temps les sépare. Il y a un moment pour chacune de ces étapes. Mais en plus, non seulement elles sont mutuellement incompatibles, mais elles sont également nécessaires. Autrement dit, Spinoza, Leibniz, Descartes, le christianisme, le paganisme sont aussi nécessaires dans l'évolution de l'esprit humain, les unes que les autres. C'est une pensée beaucoup plus généreuse qui n'envoie pas à la poubelle, comme ça, avec des oukases à la Onfray ou à la Popper. Des pensées maudites, voilà. Alors, vous dites bien, vous me direz, tu dis bien qu'Heidegger est le plus nazi des philosophes, tu passes ton temps à la voyer à la poubelle quand tu dis ça. Non, 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 non. Non, non. La différence, c'est que je reconnais que Heidegger, en déplaise à certains, connaît bien la philosophie. Et c'est ce que je lui pardonne le moins. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait en connaissance de cause. Ce n'est pas mon beauf à la nuque épaisse, parce qu'il y a cette extrême droite, là aussi, dans l'électorat nazi. Mais ce n'est pas ça, c'est plus grave. C'est celui qui donne des feux verts à l'intelligentsia. Revenons à notre sujet, parce que ça reste essentiel. Ces espérances un peu fantasmées, qui n'a épargné pratiquement aucun des grands philosophes de faire en sorte que d'élever la philosophie à la scientificité, mais sur un des modèles des sciences dures déjà existantes, a été ruiné pratiquement définitivement par Kant, dans son fond. Et n'empêche qu'il y en a qui continuent, hein. Ça s'appelle le néopositivisme logique. Des gens très sérieux, attention, hein, c'est pas rigolo, hein. Très, très rigoureux, qui pensent qu'on va arriver à, je reviens, à un mode d'expression de la philosophie qui fait qu'il n'y aura plus aucune ambivalence, aucune polysémie, aucune ambiguïté. Bref, pour paraphraser Wittgenstein, qu'on aura dit tout ce qu'on peut dire et qu'on laissera dans le silence tout ce qu'il faut taire parce qu'on ne peut pas le dire. Voilà. On reviendra sur tout ça aujourd'hui, je ne fais que résumer les enjeux, c'est pas la programmatique. Mais tout de même, puisqu'on en est à Kant, je vous donne un petit échantillon de ce qui fait qu'à partir de Kant, le problème se pose différemment et qu'on se rapproche de nous du monde moderne, alors là, du monde actuel, disons, moderne au sens de, comme je le dis souvent, de celui qui se met en place et dans lequel nous sommes toujours à la fin du 18e au début du 19e siècle, avec les deux révolutions industrielle en Angleterre et politique en France. Donc, et leurs effets conjugués aux prises desquelles nous sommes encore en train de nous débattre. Je vous donne un exemple, si vous voulez, un extrait de la critique de la raison pure, précisément, où Kant parle de la démonstration. Et il commence par dire, d'ailleurs, je vous le dis, quand vous discutez entre amis, soyons modestes, avant de dire j'ai démontré que, oulala, quand vous voyez ce que c'est qu'une démonstration en mathématiques, il faut être modeste, c'est ça que nous apprend Kant. Hein? Si j'ai montré, il y a démontré et montré. Si j'ai montré, c'est déjà pas mal, mais démontré, il faut être costaud. Je vous lis simplement ce passage. Que l'on donne à un philosophe, je vous saute le passage théorique un peu abstrait pour ne pas vous fatiguer, parce qu'aujourd'hui on est programmatique, mais je vous donne l'exemple saisissant qu'il donne pour se faire comprendre entre la différence entre la manière de procéder de la philosophie et la manière de procéder du mathématicien. Sans dire, il y en a un qui a tort, l'autre qui a raison, mais qui n'ont pas du tout les mêmes finalités, et qu'on ne se sert pas d'un télescope pour ouvrir une boîte de sardines, et on ne se sert pas d'un ouvre-boîte pour regarder les étoiles. Voilà, en gros, si vous voulez. Hein? Ça ne veut pas dire que l'un est bon et l'autre est mauvais. Que l'on donne à un philosophe le concept d'un triangle. Écoutez bien ce superbe exemple. Que l'on donne à un philosophe le concept d'un triangle. Vous êtes prêts de l'autre côté de l'écran, là? Je vous envoie le triangle, vous l'attrapez? Que l'on donne à un philosophe le concept de triangle. Voilà. Je dis ça parce qu'il va falloir vous le retourner entre vos mains, vous allez voir.
et qu'on le charge de trouver à sa manière, à la manière d'un philosophe, quel peut être le rapport de ces angles avec l'angle droit. Vous connaissez le théorème, la somme des angles d'un triangle euclidien dans l'espace plan, est égale à 180 degrés ou à deux droits, comme vous voulez. Bien. Comment est-on arrivé à ce résultat, dit Kant? Ben, philosophe, vous le lui donnez, hein, vous dites, voilà, tout ce que tu as, c'est le concept de triangle, à partir de là, déduis-moi, démontre-moi que la somme de ces angles doit faire 180 degrés. Et Kant dit, il n'y arrive pas. Alors, je vous le lis. Tout ce qu'il a, c'est le concept d'une figure renfermée entre trois lignes, ça il l'a, c'est dans le concept du triangle par définition, et dans cette figure, le concept d'un égal nombre d'angles, c'est ce que veut dire triangle d'ailleurs, il aura beau réfléchir tant qu'il voudra sur ce concept, il n'en fera sortir rien de nouveau. Ma donnée, c'est un espace enfermé entre trois côtés qui se rencontre en trois angles. Il n'en fera rien sortir de nouveau. Il peut analyser, rendre clair le concept de la ligne droite ou celui d'un angle, par analyse, hein, les parties du triangle, ou celui du nombre 3, mais non pas arriver à d'autres propriétés qui ne sont pas du tout contenues dans ces concepts. Mais que le géomètre s'empare de cette question. Il commence aussitôt par construire un triangle. Vous me direz, mais c'est quoi ça, c'est des jeux de mots. Non. Pour l'instant, vous aviez le triangle dans les mains, je vous l'ai envoyé. Allez, imaginez que vous avez un triangle en bois, un grossier là. D'accord, vous le retournez. Non. Le mathématicien commence par le représenter dans l'intuition, c'est-à-dire dans la vision, de telle manière qu'on puisse prolonger les côtés. Vous voyez ? On va prolonger les côtés. Je vous le dis parce que je n'ai pas de tableau, mais après, c'est une démonstration qu'un bon élève de 5e arrive à faire, n'est-ce pas ? En assimilant les angles alternes-internes, on arrive à montrer que les trois angles du triangle, on les retrouve sur la ligne droite en haut, sur la ligne droite parallèle au côté qui est en bas, si vous voulez parler grossièrement. Voilà, il n'y a plus qu'à voir. C'est une monstration, à la limite. Hein. Voilà. Mais que le géomètre s'empare de cette question, il commence aussitôt par construire un triangle. Sachant que deux angles droits pris ensemble valent autant que tous les angles contigus, qui seraient sur une droite, qui peuvent être tracés d'un point pris sur une ligne droite, il prolonge un côté de son triangle et obtient deux angles contigus dont la somme égale, à cause d'un autre théorème connu avant que deux angles opposés sont égaux. Il commence aussitôt par construire un triangle, sachant que deux angles droits pris ensemble valent autant que tous les angles contigus qui peuvent être tracés d'un point pris sur une ligne droite. Il prolonge un côté de son triangle et obtient deux angles contigus dont la somme égale deux droits. Il partage ensuite l'angle externe en traçant une ligne parallèle au côté opposé du triangle et voit qu'il en résulte un angle contigu qui est égal à un angle interne, etc. C'est enfantin. De cette manière, il arrive par une chaîne de raisonnement toujours guidée par l'intuition, la vision, pour ceux qui ne sont pas sûrs, à la solution parfaitement claire, même générale, de la question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le fond, là, c'est qu'il n'a pas que le concept de triangle mathématicien. Il a ce que Kant, le premier, appelle deux formes a priori de la sensibilité. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait des sens, avant qu'on ouvre les yeux, il y a des structures a priori de la vision, de l'audition, tout ce que vous voulez, qui s'appellent le temps et l'espace. Essayez d'entendre un son qui n'occupe aucune durée, on dirait des nouvelles, vous n'entendrez pas grand-chose. Donc, il y a l'espace extérieur au triangle qui permet de prolonger des côtés, et ça, ce n'est pas donné dans le concept du triangle que je vous ai envoyé dans les pattes. Il y a donc ce concept d'espace infini, que tout à l'heure, il y a des choses en plus, n'est-ce pas ? Et c'est la différence pour Kant, que je vais vous résumer maintenant avec ces mots, entre la mathématique et la philosophie, c'est que la philosophie procède par concept, le concept de triangle, avec ce qu'il implique, trois angles, trois côtés, l'espace qui les enferme, etc. Alors que le mathématicien procède non pas par concept, mais par construction de concept. Construire un concept, on vient de le voir, c'est le représenter, a priori, dans l'intuition, d'unir les deux, hein, le monde. Voilà. Voilà un petit exemple qui montre à quel point le problème se pose différemment depuis la fin du XVIIIe siècle. D'accord ? Par exemple,
vouloir appliquer les mathématiques aux preuves de l'existence de Dieu ou à l'immortalité de l'âme, ce que s'est escrimé à faire tout le XVIIe siècle. C'est l'apogée de la métaphysique. Hein. La métaphysique classique a des sommets qui s'appellent Spinoza, Leibniz, Descartes, Bernard Branche, voilà, c'est l'époque. Mais, encore une fois, il y a cette illusion de vouloir appliquer une méthode qui vient des mathématiques et qui suppose donc les limites de l'espace à quelque chose qui, par définition, je pense à Dieu, est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps, par exemple. C'est contradictoire. Ça a ruiné ce qu'on appelle, ce qu'on devrait appeler depuis Kant, le dogmatisme philosophique. Ce n'est pas du tout le sens courant. Le mec est un peu raide, il a des certitudes, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas celui qui dit le critère de la beauté, c'est le Parthénon, parce que j'ai toujours vécu à Athènes et je n'ai rien de plus beau, ce n'est pas ça. Non, non. Mais le dogme philosophique et les plus grands philosophes n'y ont pas échappé. Je pense à Descartes, à Nietzsche, à Spinoza, c'est quand même pas des seconds couteaux. Hein. Et c'est bien du fait qu'ils se prévalent d'une méthode ou d'un principe qui est censé résoudre tous les problèmes, sans limite. Et je ne quitterai pas ce passage sans l'illustrer avec un superbe extrait de la deuxième méditation, du discours de la méthode, pardon, de Descartes, où il prête le flanc à cette critique de Kant, même s'il l'exprime à merveille. Ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles, il parle des démonstrations mathématiques, ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles, enfin faciles pour lui, Descartes, hein, dont se servent les géomètres pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avait donné occasion de m'imaginer, attention à moi, philosophe maintenant, que toutes les choses, voilà le dogmatisme, qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes, donc l'amour, l'existence de Dieu, que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon, que les théorèmes chez Euclide. Et que pourvu seulement, je finis la phrase parce qu'elle est belle, et en même temps, vous montrez jusqu'où ça va. De sorte qu'en recevant aucune pour vraie qui ne le soit dans les propositions, et que l'on garde toujours l'ordre qu'il faut, regardez cette expérience, cette espérance pardon, extravagante du dogmatisme philosophique, il n'en peut y avoir de si éloigné auquel enfin on ne parvienne, ni de si caché qu'on ne découvre. Voilà, donc j'insiste sur l'essentiel aujourd'hui. Nous sommes sur un palier en ce début d'année, pendant lequel on va s'aventurer sur une mer inconnue et en même temps, pour ne pas faire naufrage, pas tomber sur un récif, n'importe quoi, on a des acquis. On ne part pas de zéro, hein, nous ne sommes pas au pied de la montagne, on est au col. Et là, on a des acquis. Et parmi ces acquis, je reviens à nos tout débuts, je voudrais inciter ceux qui ne l'ont pas fait, surtout à ceux qui croient que, mais non, ça, j'ai déjà vu 36 fois, attention, à la lumière de ce qu'on est en train de voir. Ça modifie un petit peu l'éclairage. Les premières leçons où j'insistais sur ce qui est spécifique à l'interrogation philosophique. Et maintenant, je le rappelle ici. Parce que c'est pour ça que j'y reviens. Parce que c'est ce qu'on oublie le plus vite. Oui, je suis encore dans l'oubli et l'anamnèse. Alors faisons cette anamnèse. Philosophia. Il faut écouter ce que le mot dit plutôt que de parler à sa place. C'est la bonne méthode. Parce qu'il nous donne amour de Sophia. Vous voyez, je suis prudent, je ne traduis pas tout de suite. Parce qu'on sait, pour ceux qui connaissent les traductions, que les traductions disent tantôt amour du savoir ou amour de la sagesse. Et nous savons, nous avons appris ça au début, il y a 7 ans, que c'est justement pas la même chose. Quelquefois, c'est même exactement l'inverse. Il peut y avoir un immense savoir scientifique dans la tête d'une crapule finie. Le savant fou, le savant sadique, ça existe. C'est des figures connues, c'est pas au cinéma, dans le roman, et hélas, surtout dans l'histoire.
Vous savez, dans le Troisième Reich, il y en avait des gens qualifiés en physique, en chimie, en mathématiques. Il y en avait, hein. Et qui votaient pour le parti nazi comme un seul homme. Il y en avait. Même si une très grosse partie, n'est-ce pas, à cause des origines que vous imaginez, est obligée d'aller ailleurs pour ne pas se faire liquider sur place. Mais quand il s'agit de connaître, il s'agit de se rapporter à ce qui est. C'est le vrai et le faux, le problème de la science. Ce n'est pas le bien et le mal. C'est là qu'il y a la différence entre savoir et sagesse. On va consulter un savant pour savoir ce qui est vrai ou faux. On va consulter un sage pour savoir non pas ce qui est, mais ce que je dois faire. Ce n'est pas du tout pareil. Donc je reviens aux deux questions fondamentales. Que puis-je savoir ? Voilà pour la philosophie théorique. Vous voyez, on révise. On a rien, elle est théorique, au sens où on n'a rien changé, pas un atome de ce qui est autour de nous. Là. Il n'y a rien de... Il n'y a aucune intervention dans le réel, pour l'instant. C'est de savoir ce qui est. Alors que, dès qu'il s'agit des valeurs, de ce que je dois faire, etc., je suis dans l'ordre pratique. C'est-à-dire que, une fois que je me suis décidé, je vais avoir une incidence sur le réel. Je dois faire une sandale, se dit le cordonnier, parce qu'on me l'a commandé, par exemple. On n'est pas dans la morale, mais quand même, déjà là. Je ne laisse pas le réel tel qu'il est à le contempler comme un astronome regarde les étoiles. Voilà. Donc déjà, revenir à ce partage, à cette claudication initiale de la philosophie. Car si on est à la recherche d'une Sophia qui suppose qu'on poursuit deux cibles qui ne sont pas au même endroit, ce n'est pas très bon pour les jambes. Je dis ça parce qu'on a souvent dit que le philosophe boite. Dès le début, dès Socrate, il n'a pas laissé une ligne. C'est vraiment le tout premier. Dès Socrate, et c'est même le scandale qui a mis Platon qui a poussé Platon à écrire ces dialogues dont il fait de Socrate son Hercule Poirot, son Sherlock Holmes, comme vous voulez, ou son Tintin, hein, mais, au sens le moins réducteur qui soit. Même Socrate, ça commence par une mise à mort du philosophe par la cité, sa boîte. Un rapport difficile du philosophe avec son présent politique. Ça, ce n'est pas un problème de mathématicien. Un mathématicien peut mourir pour ses idées politiques, mais pas à cause de ses idées mathématiques. Vous voyez ? Je vous rappelle que Pythagore est mort à cause de ses convictions religieuses. Il était poursuivi, hein. Il y avait une guerre avec les Syracusains, peu importe. Il était poursuivi par des soldats romains. Et voilà qu'en fuyant, il a trouvé sa route barrée par un champ de fèves. Et dans la religion de Pythagore, c'est tabou la fève. C'est mauvais. Il ne faut surtout pas en manger. Il n'a pas osé le traverser. Il s'est fait massacrer sur place. Vous voyez, ce n'est pas à cause de ces équations. Donc, il faut se reporter au début. La recherche du savoir, la recherche de la sagesse. Alors, je vais donner un exemple très simple. Et vous allez voir qu'on va retrouver toutes nos divisions depuis 7 ans, toutes nos dichotomies, au cas où vous vous perdez, qu'elles sont liées entre elles. J'avais pris l'exemple de ces savants, entre guillemets, c'est plus des astrologues que des astronomes, encore qu'on leur doit quand même le début de l'astronomie, hein. Je pense à ceux qui montaient sur des tours en Mésopotamie pour observer les étoiles et qui étaient arrivés à des résultats quand même spectaculaires pour l'époque. Bon, bref, qui montaient sur ce qu'on appelle des ziggourats, n'est-ce pas ? Et tour de Babel, ça se passe Babel, Babylone, hein, ça se passe dans ces endroits-là, n'est-ce pas ? Avec l'idée naïve encore pour l'époque qu'en montant d'une quelques dizaines de mètres, j'allais mieux voir ce qui se passe dans l'étoile Sirius ou Antares, pas que d'en bas. Bon. Et j'avais, je vous avais demandé d'être attentif à deux positionnements complètement différents. Cet astronome, on va l'appeler comme ça, qui se pose la question, qu'est-ce que le Soleil ? Qui est seul sur une tour
Voilà le sujet. Et en face, il y a un objet de sa recherche qui est le Soleil. Alors, je parle d'un copain qui sont spécialistes de l'astronomie du Soleil, et qui pose des questions à quelque chose, je ne dis pas quelqu'un, qui ne répondra jamais. Le Soleil n'est pas l'animal qui parle. Il se laisse mettre en équation, mais c'est l'homme qui écrit les équations. Le Soleil, il ne répond pas. Donc, c'est un monologue. Premièrement. Deuxièmement, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que c'est? L'être est donné. On retrouvera ça jusqu'à aujourd'hui dans le positivisme. La chose existe, on ne se demande pas si elle existe ou pas. Et le Soleil, il ne va pas le nier, il est aveugle, il est là. On se demande non pas s'il est, mais ce que c'est. Ce n'est pas la question de son existence, c'est la question de l'essence. Vous voyez, il y a des dichotomies qu'on révise. Autrement dit, comment il faut l'appeler? Et nous revoici dans le langage. Est-ce qu'il faut l'appeler une étoile, une planète, une sphère, un cube, un cylindre? Bon, de toute façon, hein, pour la Terre, pareil, bien sûr. Et voilà qu'au pied de la tour, au pied du ziggourat, il y a un petit barbu, le philosophe, c'est l'imagerie, hein, Socrate, tel qu'on s'imagine, n'est-ce pas, qui ne regarde pas le soleil, mais qui regarde l'astronome. Et là, un dialogue peut s'engager parce qu'il s'adresse à quelqu'un qui parle. Ce n'est pas comme l'astronome s'adressant au soleil, mais qui ne pose pas la question « Qu'est-ce que le soleil ?»« Mais t'appelles-tu le soleil ?» Quand on m'aura dit ce que tu appelles le soleil, on verra peut-être si c'est une planète. T'appelles-tu ? Et je remarquais que beaucoup de nos auditeurs, et j'en suis très content, ont noté que c'était très précieux pour eux d'avoir compris que qu'est-ce que c'est qu'une question scientifique. Qu'appelles-tu est une question de philosophe. De répondre à qu'appelles-tu avec des équations, ça c'est scientifique par contre, hein, c'est un progrès là. De répondre par des algorithmes, c'est pas, et non pas par les mots de la tribu, pour parler comme Mallarmé. Ce que fait le philosophe. Donc, vous voyez, on retrouve cette dichotomie depuis l'origine. Et donc, l'opposition entre la connaissance des objets, je reviens à mon astronome face au soleil, vous voyez qu'on ne change pas. Toutes ces différentes oppositions reviennent aux mêmes. Et l'impératif de Delphes, l'impératif pythique, parce qu'il était au temple d'Apollon, qu'on a construit là, on y avait trouvé un python dans la source sacrée, n'est-ce pas, la source de Castel. L'impératif pythique, connais-toi toi-même, là on comprend mieux ce que ça veut dire. C'est recoupé par l'opposition de nos deux bonhommes, celui qui interroge le soleil, qui cherche à connaître des objets, et Dieu sait si on en a besoin. Et je suis le premier à me féliciter que depuis des millénaires, la science se soit engagée sur ce chemin et y ait fait quelques progrès, sans lesquels je ne serais sans doute pas vivant, par exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez pour vous. Et il s'agit de connaître des objets et le discours qui cherche à connaître le sujet. Le sujet cherche à se connaître lui-même. On a vu hein, que pour Oedipe, ce n'était pas possible. Donc peut-être c'est une recherche vaine. Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir cette année, tout ça. C'est quand même intéressant. Peut-être qu'il y a une telle force de refoulement en moi que je n'y arriverai jamais. Dans le monde de la psychanalyse, il y en a pas mal qui disent que le réel, c'est la notion de réalité, sous-entendu en elle-même, est un de nos principaux fantasmes. Je ne souscris pas à cette idée. D'accord. Tant s'en faut. Mais il faut comprendre ici pourquoi elle intervient. Hein? Parce que comment le sujet hein, peut-il s'enquérir de certaines vérités qui risquent de lui être fatales? Voilà, c'est les rappels que je tenais à faire, mais avant de continuer, je vais tout de même interroger Philippe pour la sacro-sainte durée de mon intervention jusqu'à maintenant. D'accord. Bon, voilà. Eh ben, on a vu la question. Puisque on a encore un petit peu de temps, puisque il n'y a pas de questions qu'il faut répondre pour l'instant, je vais en profiter pour vous lire un autre extrait qui se rapporte plus alors.
sciences physiques qu'aux mathématiques, c'est la mathématique appliquée, extrait d'un épistémologue qui s'appelle Akun, A-K-O-U-N, André Akun, et qui a pas mal travaillé sur le corpus de l'épistémologue que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire d'Alexandre Coiré, celui qui a écrit les études galiléennes, mais aussi, j'insiste sur ce titre à l'heure où on passe son temps à dire que les ressources sont limitées, les ressources sont finies, qu'il faut qu'on arrête, on va à la catastrophe. Lui, il a écrit, j'étais encore étudiant à l'époque, c'est quand même pas à l'époque du Vercingétorix, du monde clos à l'univers infini. Curieux, hein, comme hasard, si c'est un hasard, n'est-ce pas ? Ce qui caractérise le monde fantasmé de l'époque où la physique n'était pas une science, c'est qu'on pensait que le monde était fini, limité. Alors justement, n'anticipons pas, c'est ce qu'on va voir dans cet extrait, je vous le lis. La conscience naïve fait de l'espace le réceptacle objectif de la vie. Mais l'espace est en réalité tributaire des conceptions générales dans lesquelles il s'inscrit. Je vous donne un exemple, la notion de frontière. Par exemple, pendant longtemps, elle n'est pas abstraite de nos jours, elle est très abstraite. Il y a une ligne là, hein, il y a des gardes qui surveillent cette ligne. Hein. Vous faites un pas de plus et vous êtes en Italie et vous n'êtes plus en France ou l'inverse. C'est récent, cette notion abstraite de frontière. Comme par hasard, c'est postérieur à Descartes et à la révolution scientifique. Ça date de la fin du XVIIe siècle à peu près, ça commence à se mettre en place dans les chancelleries. Avant, on disait, au-delà des Pyrénées, on est dans le royaume d'Espagne. Ouais, montrer que la notion d'espace change, évidemment. Hein. L'espace est en réalité tributaire des conceptions générales dans lesquelles il s'inscrit et de l'imaginaire qu'il investit sans que chacun en soit conscient. Et cet imaginaire est celui-là même que théorisent les diverses conceptions du monde, la philosophie, la science. C'est une introduction. Il va de soi que chacun a un sentiment d'espace qui est lié à son activité et lui sert de cadre. L'agriculteur, je ne lis pas ce texte pour résoudre des problèmes, mais pour les poser. Hein. L'agriculteur est tourné vers la terre nourricière que le soleil réchauffe et que la pluie arrose, et vers l'étendue de ses champs sous les cieux. Ce n'est pas un espace abstrait. Hein. Le citadin construit un espace où se dessinent les méandres des rues et s'érige la verticalité des gratte-ciels. Le train fait de la terre un corps, la surface duquel on glisse, et l'avion fait de cette même terre un lieu dans l'infini des espaces à parcourir. Mais derrière ces vécus qui se succèdent ou se superposent au gré des moments, une conception s'impose à tous dans un temps précis de l'histoire, comme leur assise, leur référence. C'est aujourd'hui celle de la science, il s'agit ici bien sûr des sciences dures. Aussi nous paraît-il intéressant de recenser des théorisations d'hier et d'aujourd'hui qui imprègnent l'imaginaire et organisent le réel collectif et d'en discerner l'histoire. Une telle interrogation impose de mettre ses pas dans ceux d'Alexandre Coiré, vous voyez la référence, qui s'impose dont l'œuvre s'offre comme une généalogie de notre univers, dont la méthode aura l'originalité de lier l'évolution de la pensée scientifique à celle des idées philosophiques et religieuses. On les oppose souvent, en fait, c'est le dialogue des deux qui a produit le monde dans lequel nous sommes. Regardez plutôt. La pensée, nous dit-il, lorsqu'elle se formule en système, implique une image, ou mieux une conception du monde, et se situe par rapport à elle. La mystique de Böhme, Jacob Böhme était un grand mystique rhénan, pas allemand, qui a eu une énorme influence sur des philosophes comme Schelling ou Hegel, hein, je veux dire. La mystique, mais qui est postérieure à la révolution scientifique, juste postérieure, contemporain postérieure. De même que Pascal, mais non plus le mathématicien Pascal, mais le mystique Pascal disait « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, dont l'infinité a été révélée par la nouvelle physique. » De même, n'est-ce pas, celle de Giordano Bruno en particulier, brûlé en place publique en Italie pour avoir osé dire que l'univers est infini. La pensée, nous dit-il, lorsqu'elle se formule en système, implique une image ou mieux une conception du monde et se situe par rapport à elle. La mystique de Böhme est rigoureusement incompréhensible sans référence à la nouvelle cosmologie créée par Copernic. Inversement, on ne comprend pas véritablement l'œuvre de l'astronome ni celle du mathématicien si on ne la voit pénétrer de la pensée du philosophe et du théologien. J'ai essayé, regardez, quand Einstein dit « Dieu ne joue pas au dé », hein. Ça illustre bien ce qu'il est en train de dire. J'ai essayé d'analyser la révolution scientifique du XVIIe siècle, c'est Coiré qui parle, hein, qui est cité ici, à la fois source et résultat d'une profonde transformation spirituelle qui a bouleversé non seulement le contenu, mais les cadres mêmes de notre pensée.
comme on parle de nous, là, que nous ne sommes modernes qu'à la faveur de ces craquements, c'est intéressant d'y regarder de plus près. La substitution d'un univers infini et homogène au cosmos fini et hiérarchiquement ordonné de la pensée antique, je le dis pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'ont jamais su, mais c'est important, parce que je me fie de l'enseignement de certains enseignements d'aujourd'hui, enfin, pas les profs qui font leur boulot comme ils peuvent, les pauvres, et qui ont bien du mérite, mais aux programmes qui se réduisent comme du pot de chagrin, c'est pas qu'on leur impose. Je rappelle que dans la conception de Ptolémée, par exemple, ou d'Aristote, c'est pas, l'univers qui nous entoure, c'est des coupoles qui s'emboîtent les unes dans les autres. Hein. Il y a qui correspondent chacune à des planètes. Il y a le ciel de Mars, une vraie coupole, le ciel de Vénus, le ciel de Saturne, et ainsi de suite. Il y en avait sept à l'époque, parce qu'on n'avait pas découvert les Neptune et Uranus, et ainsi de suite. Donc, la substitution d'un univers infini homogène au cosmos fini et hiérarchiquement ordonné de la pensée antique et médiévale implique et nécessite la refonte des principes premiers de la raison philosophique et scientifique. S'extrait du monde clos à l'univers infini. Si les idées fondamentales de la science se rapportent en même temps aux principaux courants de la pensée philosophique, comprendre l'espace de notre astronomie, donc notre espace, impliquera non seulement que nous ayons à connaître les conceptions qui l'ont précédée et qu'elle récuse, mais aussi de voir comment le nouvel espace est en rupture avec toute une conception ancienne du monde. Attention, cela c'est bien concret. Toute une façon qu'avait l'homme de penser son installation dans l'être. Et comment s'en impose une autre à lui? Vous savez, je vous ai souvent dit que le moderne déteste la modernité, que l'amateur de musique baroque déteste la musique romantique parce que précisément, c'est un romantique. Et que le propre de la modernité, c'est de se détester. N'est-ce pas? Bon, et là, on est en train d'aborder les raisons, parce que je l'ai dit gratuitement, là, maintenant, ça commence à prendre sens. Ce qui, dans la conception moderne de l'univers, s'offre à nous, ce n'est pas simplement une découverte nouvelle, c'est la Terre qui est au centre, et non, le Soleil qui est au centre et non pas la Terre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça, en tout cas. Ce qui, dans la conception moderne de l'univers, s'offre à nous, ce n'est pas simplement une découverte nouvelle et une rupture théorique dans l'espace de la science. C'est une véritable crise de la conscience européenne. Il y a un malheur ouvert par la connaissance scientifique de la modernité. Ce n'est pas une critique de la science, c'est pas. On va lui reprocher de dire la vérité. Mais n'oublions pas que Deep n'osait pas aller jusqu'à la vérité. C'est une véritable crise de la conscience européenne qui voit le monde géocentrique du Moyen-Âge remplacé par l'univers décentré de l'astronomie moderne, sphère dont, citation de Pascal bien sûr, le centre est partout et la circonférence nulle part. Quelque chose d'angoissant. Mutation liée à ce bouleversement de la grille des signifiants d'hier et qui voit l'homme perdre sa place dans le monde, en même temps qu'il perd ce monde jusqu'alors cadre assuré de son existence. Bon sang ! Je pensais que le monde où j'habite était le centre de l'univers et que moi, en tant qu'homme, j'étais le centre de ce monde. Hein, et voilà qu'on me dit que je suis dans une dérive, dans un cosmos infini, n'est-ce pas ? Et qu'en plus, je ferais bien de regarder du côté du singe pour voir ma jeunesse. Que ces idées nous soient aujourd'hui familières, je simplifie quand je dis ça, je les ai une idée comme que ces idées nous soient aujourd'hui familières ne diminue en rien le fait qu'elles constituent une grande révolution culturelle qui changea définitivement l'idée que l'homme se faisait de lui-même. Bouleversement dans les idées, les causes se retrouvent dans ces vers de John Donne que cite Coiré. Vers de John Donne, poète anglais de 1611, hein, de l'époque d'Henri IV. La philosophie nouvelle rend tout incertain, l'élément de feu est tout à fait éteint. Entendre aujourd'hui. Ben. Sauf que c'est l'inverse, le monde se réchauffe pas, il se refroidit. Mais en fait, c'est toujours les mêmes catastrophes naturelles. Enfin, l'élément de feu est tout à fait éteint, le soleil est perdu et la terre. Et personne aujourd'hui ne peut plus nous dire où chercher celle-ci. Tout est en morceaux, toute cohérence disparue, plus de rapport juste, rien ne s'accorde plus. Le malheur moderne commence. Le malheur subjectif et des malheurs plus graves, hein, croyez-moi. Hein. Surtout à l'époque. Mais cette révolution ne fut pas telle, je parle des états d'âme, ne fut pas telle d'un seul coup, sorte de mutation brusque. Les révolutions aussi ont une histoire. La révolution scientifique, elle ne s'est pas produite un 31 décembre à minuit, comme je dis souvent. Les révolutions aussi ont une histoire et ont besoin de temps pour s'accomplir.
la bulle du monde enfla d'abord avant d'éclater. Avant d'être infinie, elle a déjà enflé. Parce que Copernic dit que c'est le Soleil qui est au centre, il pense encore que l'univers est fini, sauf qu'on a changé de centre. Mais comme tout le monde le sait, à l'époque, le Soleil est beaucoup plus loin, ça l'élargissait. Hein. Donc, la bulle du monde enfla d'abord avant d'éclater, belle expression. Mais ce ne fut pas si long. Je veux dire, c'est allé très vite, l'enchaînement des connaissances. Nicolas de Cuse, C-U-E-S, qui fait chaînon entre les anciens et les modernes, est mort en 1464, fin de la Renaissance, et le De Revolutionibus Orbium Celestium, hein, de la révolution au sens astronomique, hein, du parcours des orbes célestes de Copernic, paraît en 1653, à peine un siècle après. Nicolas de Cuse s'inscrit dans l'univers des croyances du Moyen-Âge, mais il est le premier à mettre en question la structure hiérarchisée de l'univers. Je rappelle ici que pendant toute l'Antiquité, et Aristote, à cause de l'initiative de saint Thomas d'Aquin de prendre Aristote pour asseoir la théologie chrétienne, n'est-ce pas, à quelques réserves près, Aristote, l'espace n'est pas homogène. Il y a deux espaces dans le cosmos, pardon de rire, c'est une grande pensée Aristote, hein. En dehors de ce que je suis en train de dire, c'est quoi les plus forts. Il y a un espace en dessous de la Lune qui n'a pas du tout les mêmes lois que l'espace au-delà de la Lune. Vous voyez, ça fait sourire maintenant. Il y a le monde sublunaire, celui qui est en dessous de la Lune, ça date de là, n'est-ce pas, où tout va un peu à volo, où rien n'est vraiment régulier. Déjà, son maître Platon avait dit que ce monde avait été créé par un législateur pompette. Ah mais Platon, c'est merveilleux, il y a toujours un côté metteur en scène chez lui. Hein, pour lui, le monde a été créé par un démiurge, une espèce de génie là, qui a un tour de potier. C'est Platon qui parle, hein. Il a un tour de potier, il va fabriquer tout ce qu'on voit autour de nous avec ce tour de potier, mais il a un modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est le monde platonicien des idées, les essences qui sont dans un au-delà qu'il ne faut même pas essayer de voir, puisqu'on ne peut que les concevoir. Par exemple, il a l'idée de cercle qu'il contemple dans le cosmos noétos, le monde intelligible. D'accord ? Mais comme il est un peu saoul, son pied glisse sur le tour, au lieu de faire un cercle, il fait un ovale. Vous voyez ? Et c'est le monde sublunaire dans lequel nous vivons, qui est envahi par la génération et la corruption, où les choses ne durent pas, mais où elles dépérissent, où elles meurent, alors que les dieux là-bas, les astres, sont immortels. Il ne faut pas oublier ses croyances à l'époque. Galilée a eu beaucoup de difficultés en disant simplement qu'il y avait des montagnes et des aspérités sur la Lune. Car c'était dire que le Dieu était rugueux, c'est pas possible. Tu vois ? Qu'il y ait des creux et des bosses comme ça chez les dieux. Bon, donc, il écrit, on ne saurait dire de la Terre que Nicolas de Cuse, lui, balaye tout ça déjà avant Copernic en disant, on ne saurait dire de la Terre qu'elle est de nature basse. Elle est dans son genre aussi parfaite que le Soleil dans le sien. C'est déjà une révolution, un début de révolution. On ne saurait opposer, c'est toujours Nicolas qui parle, un soleil lumineux à une terre sombre. De même met-il en question la position de la terre comme centre du monde sublunaire, car dit-il, et déjà c'est audacieux, il n'existe pas de centre. Copernic, quant à lui, va élargir la bulle du monde, il établira, vous voyez les étapes à toute vitesse, hein, il établira que son diamètre est au moins 2000 fois plus grand que le pensait le Moyen-Âge, et il l'évalue à 20 000 rayons terrestres, soit 200 millions de kilomètres. C'est fort, hein, pour les... Il n'y avait pas la lunette de Galilée, il n'y avait pas de télescope à l'époque, c'est très fort. Hein. Il fallait vraiment être génial, et observateur, et calculateur. Mais enfler la bulle n'est pas la même chose que la concevoir comme infinie. Et si Copernic montre que la Terre est en mouvement, le monde reste conçu par lui comme fini, entouré de la sphère des étoiles fixes, dans le centre le Soleil, qui, il cite Copernic, reposant sur le trône royal, vous voyez comment s'éloigne le discours scientifique, reposant sur le trône royal, il gouverne la famille des astres qui l'entourent. Kepler restera dans la même conception héliocentrique, soleil au centre, et dans la même idée d'un univers fini. Il écrit à propos de la thèse de Giordano Bruno, celui qui a osé dire le premier que l'univers est infini, et qu'il a tellement maintenu, au lieu d'avoir la prudence bien italienne de Galilée, qu'il a été brûlé en place publique, n'est-ce pas ? Il écrit à propos de la thèse de Giordano Bruno, mystique de l'idée d'un univers infini et qui en mourra sur le bûcher.
Cette pensée porte en elle je ne sais quelle horreur secrète. Elle ne peut pas être vraie parce qu'elle est horrible. Vous voyez quelque chose qui est refoulé là. On revient. Le sujet s'oppose à lui-même. Le sujet qu'il veut connaître, et Kepler est un des plus grands savants de tous les temps. Kepler a fait des pas de géant dans notre connaissance des trajectoires des planètes. Mais il a des résistances intérieures qui ne sont pas de l'ordre des sciences dures. L'objet des sciences dures n'est pas de savoir pourquoi Kepler a une telle horreur de l'idée jordanienne, brunienne, n'est-ce pas, d'un univers décentré, n'est-ce pas ? Cette pensée porte en elle je ne sais quelle horreur secrète. En effet, on se trouve errant dans cette immensité à laquelle sont déniées toute limite, tout centre, et par là même tout lieu déterminé. Mais là, vous avez la société civile bourgeoise qui est en marche. Vous avez déjà ce qu'un romancier du XXe siècle, je pense à Mouzil, appellera l'homme sans qualité. L'homme moderne. Et un personnage Dostoïevski, toujours romancier contemporain, pratiquement, enfin, du monde moderne, post-industriel, un personnage qui dira, mais alors si Dieu n'existe pas, tout est permis. Décentrage moral, décentrage physique, vous voyez. Ce n'est pas du tout l'idée de Dostoïevski, c'est un de ses personnages. Mais très vite, on renoncera à l'idée de la sphère des fixes, les étoiles se distribueront dans un univers qui passe de l'immense à l'infini. C'est Descartes qui donnera l'édifice métaphysique de la conception nouvelle du monde. Alors là, Descartes, il systématise tous ses acquis. Sachez donc, premièrement, que par la nature, je n'entends point ici quelque déesse ou quelque autre sorte de puissance imaginaire, mais je me sers, on est loin de Mama Gaïa, hein, dont on nous rabâche les oreilles tous les jours dans toutes les publications, mais je me sers de ce mot pour signifier la matière même. Intéressant, parce qu'on reviendra sur cette confusion de nature et de matière. Mais à quel point est importante. Hein. Je m'en sers pour signifier la matière même en tant que je la considère avec toutes les qualités que je lui ai attribuées, comprises toutes ensemble et sous cette condition que Dieu continue de la conserver en la même façon qu'il l'a créée. Descartes est le premier qui formule le principe d'inertie. Non pas qu'il le conçoit, c'est Galilée, mais qu'il le formule avec rigueur. Je vous rappelle que ce principe s'énonce à peu près comme ceci. Un corps qui n'est soumis à aucune force, donc qui ne fait d'aucun changement venant de l'extérieur, un corps qui n'est soumis à aucune force est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, et sous cette condition que Dieu continue de la conserver en la même façon qu'il l'a créée, car de cela seul qu'il continue ainsi de la conserver, il suit de nécessité, et non pas possible voire réelle, mais nécessité, il doit y avoir plusieurs changements en ces parties, lesquelles ne pouvant, ce me semble, être proprement attribuées à l'action de Dieu, parce qu'elles ne changent point, je les attribue à la nature. Autrement dit, Dieu a créé le monde, mais après, une fois qu'il a, comme disait Pascal ironiquement, que Dieu a donné la chiquenaude qui crée le monde, le géomètre et l'astronome peuvent rendre compte à peu près de tout. Et les règles suivant lesquelles se font ces changements, je les nomme lois de la nature. Les lois de la nature telles que les définit Descartes ne sont donc pas autre chose que les règles qui réagissent à un espace, c'est la fin, je vous rassure, homogène, tel que le conçoivent les géomètres. Ce n'est pas seulement l'image structurelle de l'univers qui se trouve profondément modifiée par la physique mécaniste, il n'y a plus un espace sacré, un espace profane, mais homogène. Ce n'est pas seulement l'image structurelle de l'univers qui se trouve profondément modifiée par la physique mécaniste, mais aussi l'idée même de son devenir et des changements constants qui se produisent en lui. La nature n'invente rien. Des phénomènes seulement y apparaissent qui sont explicables par quelques lois simples et immuables. J'arrête là mon incursion dans un très rapide survol et on s'appesantira sur certains moments plus importants que d'autres de l'histoire de l'émergence de la pensée scientifique. Mais ce que le quotient et l'enjeu philosophique que je rappelle et que je maintiens et qu'il ne faudra pas oublier au fur et à mesure que nous entamons ce nouveau cycle, c'est que science de la nature, science de l'histoire, science dure, hein, science de la nature, il n'y a que dans la nature que les sciences dures ont trouvé un domaine d'application d'une manière systématique. Ne me dites pas, et la démographie n'est pas une science de l'homme, mais une science de la nature. C'est les raisons naturelles pour lesquelles il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Donc, la différence traverse l'homme. Hein. Il n'a jamais été question de découpler l'homme
de la nature, mais de découpler ce qui est proprement humain de la donnée naturelle, ce qui est bien différent. Il n'y a pas que du proprement humain dans l'homme, c'est pas le fait que je digère, je le partage avec le mammouth. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça, c'est l'essentiel de l'enjeu, c'est que science de la nature, ou science humaine, ou science de l'histoire, ou science sociale, comme on voudra, l'invariant, vous venez de l'entendre, c'est le mot science. Il s'y rappelle. Encore, il faut être à l'écoute du mot plutôt que de parler à sa place. Scire, S-C-I-R-E, scire, en latin, veut dire savoir. C'est tout. Donc, quelqu'un qui dit, je connais la somme de 2 et 2, je sais combien ça fait 5, en fait, il ne la connaît pas, il ne la sait pas. Autrement dit, un savoir implique la vérité. Il n'y a pas de savoir non vrai. Ce qu'il y a dans nos esprits, qu'on imagine être un savoir, mais qui se rapporte à ce qui s'avérera par telle ou telle avancée scientifique ou telle démonstration, être fou n'est pas un savoir, mais relève, retombe dans le champ de la doxa, de l'opinion. C'est important. Donc, il y a un point, nous avons un point commun avec les sciences. Le vieux compagnonnage du philosophe et du mathématicien, on a vu aussi du poète, mais du mathématicien, c'est cette même exigence de rigueur, même si ce n'est pas du tout la même rigueur, et qu'elle ne se rapporte surtout pas au même domaine. Ce n'est pas le domaine des objets déterminés par des lois, mais d'un homme un peu mariole, d'un sujet, et qui en tant que sujet fait des siennes et s'oppose quelque part à la connaissance. Il n'a pas la passivité de l'objet. C'est mon premier appel avant de conclure cette ouverture. Et le second, qui est au moins aussi important, c'est de rappeler que dans cette grande division, il y a savoir dans les deux cas, qu'il y a savoir des objets du côté des sciences dures, et savoir se rapporte à un sujet dans le cas de ce qui nous occupe. Il y a bien une même rigueur, mais cette rigueur, il faut la prendre en flagrant délit si on veut essayer de faire en sorte, prouver dans ma question initiale, qu'elle est réelle. Il ne s'agit pas comme Kant de dire Newton, c'est possible, c'est réel. Il n'y a rien à dire, hein, ça fait ses preuves, les éclipses sont prévues, Mars est au rendez-vous, tac, 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 quelques petits retards infimes sur Mercure, mais on en parlera plus tard. Mais voilà, il y a une prévisibilité extraordinaire, à partir de voies extrêmement simples à l'arrivée, sans passer par les calculs compliqués. Mais la scientificité de la physique est réelle à partir du XVIe et XVIIe siècle. Par contre, il faut se demander pour Kant comment ça a été possible. Nous, on a le problème inverse. Je pars du fait qu'elles sont réelles. Je parle du fait que non seulement elles sont possibles, mais qu'elles peuvent être réelles. Comment peuvent-elles être réelles? Et pour ça, il faut que je montre que ça existe déjà, qu'il suffit d'analyser au sens scientifique, comme on analyse l'eau, on trouve de l'hydrogène et de l'oxygène, hein, décomposés en parties élémentaires, d'analyser les productions d'un sujet, non pas le rayonnement de l'étoile belteggeuse, mais d'appréhender la logique à l'œuvre dans les productions d'un sujet pour être scientifique. C'est-à-dire non pas spéculer sur ce que doit être un sujet, sur ce que doit être sa pensée, enfin tout ce qui serait invisible, non, de le prendre en flagrant délit comme je le fais pour des textes. Et je donnerai un dernier exemple, et c'est ça qui me fera conclure. Et vous voyez que je passe mon temps à anticiper un futur du cycle qui s'ouvre, mais de remonter à l'origine de nos causeries, c'est que dès mes premières causeries, j'ai cité ce vers de Rimbaud. Extrait du bateau ivre. L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Je vous rappelle une démonstration très rapide, alors qu'il n'en est rien à la beauté du vers. Mais qui montre à quel point elle est rigoureuse comme une équation, alors qu'on se dit comment, pourquoi. Il m'aurait dit il est noir comme l'ébène, là je comprends. L'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colombes, ainsi qu'eux,
peut le remplacer par permutation, par comme, par à l'image de, comme de même que. Quand on dit ainsi que, c'est qu'on fait une identification, une comparaison. Or, je ne vois pas ce qu'il y a de commun entre l'aube et un vol de colombe. Et en analysant, on s'aperçoit que aube est une variation de alba, qui veut dire blanc, albinos. Alors, attendez, on n'a pas fait de latin tout cela, enfin quand même. Et puis on n'est pas obligé de savoir que AU, aube est le pluriel de AL. Et justement, j'avais montré que le poète joue complètement inconsciemment avec l'inconscient linguistique. Il suffit d'être francophone, même pas français. Un francophone congolais, un francophone vietnamien, peu importe. Il suffit, il en reste, pour réaliser qu'il y a dans la langue toute une série de termes où il y a ce radical, albâtre, albinos, albumine, vous pouvez vous y prendre comme vous voulez, je suis sûr que vous en trouverez plus que moi, selon vos spécialités respectives. Et donc, aube va être liée à blanc. Et quand Hugo, un autre poète, dit « à l'heure où l'aube blanchit la campagne », il n'est pas en train de faire de l'astronomie, il n'est pas en train de décrire ce qu'on voit. Elle n'est pas blanche. L'horizon, il n'est pas blanc à l'aube, il est plutôt rose, etc. Mais c'est parce que le mot « aube » nous tire vers la blancheur. C'est une autre logique que celle de la physique. Voilà. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé avec ce vers. Déjà, il y a un point commun entre « aube » et colombe, c'est la couleur blanche, entre les deux parties, à gauche et à droite de ainsi que. On est dans la rigueur. Et en plus, ce n'est pas seulement ça. Ainsi qu'un peuple de colombes, vous voyez l'envol des colombes. L'envol, c'est aller du bas vers le haut. Et l'aube, c'est quoi? C'est quand le soleil se lève. On dirait que tu interprètes là. Non. L'aube exaltée. Alté, c'est alto, ça veut dire aller en haut. J'analyse, je n'interprète pas, j'analyse. Mais j'analyse quoi? Non pas une éruption volcanique, non pas une éclipse de lune, je sais si ce sont des choses précieuses à étudier, non, j'analyse l'expression d'un sujet, et je vois se mettre en place des lois, des rigueurs, que l'élévation est plus valorisée que l'abaissement. Mais je vous l'avais dit une fois, regardez, rien que dans la langue, la nôtre, mais dans toutes les langues, c'est pareil, il y a une distribution des valeurs entre le bas et le haut. Traîner quelqu'un dans la fange, c'est ce qui est sous nos pieds. Au contraire, tenir le haut du pavé. Ou de dire à quelqu'un quelle bassesse de caractère. Alors, quelle hauteur de vue. Là, il y a des distributions de valeurs qui ne doivent rien à la physique et qui se moquent pas mal du haut et du bas. On le sait depuis longtemps maintenant en science, n'est-ce pas? Voilà, je m'arrête sur cet exemple pour vous montrer qu'il y a de quoi faire, s'il y a une telle rigueur à l'œuvre. Et si le vers, l'énoncé rimbaldien, s'est acheminé presque vers l'équation, puisque maintenant on a à gauche et à droite de l'ainsi que des termes identiques, comme dans les demandes d'une équation, il y a de l'espoir, camarades. Voilà, et donc je vous dis à la prochaine fois, il faut qu'on fasse ce chemin ensemble. Il y en a difficilement à construire.